J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de te retrouver dans une vidéo skincare parce que aujourd'hui je te parlais d'une lotion à l'acide glycolique naturel, une lotion naturelle, économique, efficace, qui lutte contre les imperfections, les taches, les boutons, la peau grasse, les pores dilatés, qui redonne de l'éclat, bref. Qu'est-ce que j'ai pas cité comme imperfection? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai pas cité comme imperfection? Dis-le-moi. Je me calme. Non, mais sincèrement, c'est une lotion qui fait du bien à ma peau. C'est une lotion que j'ai envie de dire, je te recommande à 1000%. C'est vraiment très économique. On s'est dit qu'on doit faire des économies. Donc, on dépense beaucoup d'argent, mais on veut avoir une belle peau. Tu sais, j'aurai 40 ans. Bientôt, ce mois-ci, au courant de ce mois-ci, en février, j'aurai 40 ans. Je n'arrive toujours pas à croire que j'aurai 40 ans. Je n'arrive pas. Quand je me regarde dans un miroir, je ne me dis pas que j'ai 40 ans. J'aurai 40 ans, quoi, dans quelques semaines. Avant, pour moi, les femmes de 40 ans, c'était des femmes très, très âgées, quoi. Et quand je me regarde, je ne vois pas cette femme très, très âgée. Mais bref, j'aurai 40 ans. Quelle grâce. C'est une grâce d'abord et je dis merci aussi à Dieu parce que c'est lui qui m'a donné aussi une belle peau qui me donne en fait de découvrir les alternatives naturelles pour m'occuper de ma peau quoi. Waouh, je suis trop contente. Bref, on est là pour parler du sérum, de la lotion plutôt à l'acide glycolique. Donc sans plus tarder, je te laisse avec la fabrication de ma lotion, je te laisse avec l'application et on se retrouve juste après. Bon, tu as vu comment j'ai préparé mon acide glycolique naturel. Sincèrement, c'est simple, c'est économique, comme je l'ai dit. Après, l'acide glycolique, tu peux en trouver dans la betterave, les raisins, quoi d'autre encore, la canne à sucre. La betterave chez nous, c'est un peu cher. Raisins, c'est aussi un peu cher. J'ai vu des raisins sur ma vigne là, donc je pense que je vais étudier mes raisins pour ça aussi, pour faire mes soins. La canne à sucre, normalement en Afrique, on en a beaucoup, mais ces derniers temps, je n'en trouve pas au marché. Mais je pense que quand j'en trouverai, je ferai aussi une autre lotion à base de canne à sucre. Alors, comme je te disais, moi, j'aurai 40 ans bientôt. Et depuis l'année dernière, je me dis, grâce à avoir 40 ans, même si on ne le voit pas trop. Bon, moi, je ne le vois pas trop. Peut-être que toi, tu le vois, mais moi, je ne le vois pas trop sous ma peau. Même quand je me regarde, je ne le vois pas trop que j'aurai 40 ans bientôt. Mais je me dis quand même qu'il faut que je prenne un peu plus soin de ma peau, qu'il faut que je m'occupe un peu plus de mon corps en général. Donc, pour prendre soin de ma peau, je suis en train de regarder sur Internet qu'est-ce que je pouvais appliquer, quel sérum je pouvais utiliser. Et j'ai vu que l'acide glycolique revenait souvent. Je me suis dit, l'acide glycolique, mais ça coûte combien ici en Afrique? Est-ce que je peux l'avoir facilement? Bref, ici au Congo, c'est un peu cher. Je me suis dit, au lieu de dépenser beaucoup d'argent, est-ce que je ne peux pas tester quelque chose qui contient de l'acide glycolique, quelque chose de naturel qu'on peut trouver facilement, qui contient de l'acide glycolique et que je pourrais après vous présenter. Sincèrement, c'était d'abord pour moi, mais après je me suis dit, si je trouve que c'est efficace, quoi, je présente aux autres, comme ça, ça fait quelque chose d'économique, bref. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'on pouvait en trouver dans la canne à sucre, la betterave, les raisins et l'ananas. Et comme là, il y a beaucoup d'ananas sur le marché, je me suis dit, je vais fabriquer donc mon sérum à l'ananas. Mais comme
En fait, au départ, moi, j'ai une peau mixte à tendance grasse. Mais en ce moment, je trouve que j'ai quelques zones de sécheresse. Je ne sais pas, c'est peut-être le fait de prendre de l'âge qui fait ça. Mais j'ai quelques endroits, quelques zones de sécheresse sur mon visage. Donc, je me suis dit, je vais rajouter un peu de yaourt et puis ça va rajouter de l'onctuosité. Sinon, tu peux t'arrêter juste au jus d'ananas. Donc, j'ai mixé le tout, j'ai filtré et ensuite le sérum, je le garde au frigo, tu le gardes pendant 7 jours au frigo, voilà. Sinon, tu peux congeler dans un bac à glaçons, comme ça chaque matin ou chaque soir, tu utilises le glaçon. Moi, je l'utilise matin et soir et ça fait presque une semaine que je l'utilise. Je peux te dire que je commence à avoir des effets sur mon visage. Plus d'éclat, le grain de peau un peu plus affiné, les ridules, même si tu ne les vois pas, j'ai... Bon, après, on va dire aussi que moi, je cherche les imperfections. Mais j'ai quand même quelques ridules et je trouve que ça agit quand même. Il y a du bon. Il y a vraiment du bon. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais arrêter de faire ça avec mes doigts. C'est mieux peut-être. Non, mais sincèrement, je l'applique matin et soir. En fait, le soir, surtout ce que je fais le matin, parce que ma routine est assez simple le matin. Assez simple. Oui, elle est assez simple. Et le soir, ce que je fais, en fait, je nettoie je me démaquille d'abord. Par exemple, le soir, là, je me démaquille avec mon démaquillant que j'avais fabriqué. Ma crème capillaire que j'avais fabriquée au cacao, karité et huile de coco, c'est ce que j'utilise aussi comme démaquillant. Ça marche très bien. Ensuite, je nettoie mon visage au savon noir. Oui, je suis revenue au savon noir. Je nettoie mon visage au savon noir. Puis, je me fais un gommage un gommage masque à la poudre de riz, parfois que je mélange à la peau de curcuma, parfois seule, parfois je mélange avec de la maïzena ou encore avec la farine de maïs, ça va dépendre de mon humeur. Voilà, j'applique, je frotte légèrement, je frotte, je rince et j'applique j'applique ma lotion donc à l'ananas qui contient donc de l'acide glycolique. Je laisse poser, je vais prendre ma douche, je me gomme aussi tout mon corps. En tout cas, si tu veux ma routine skincare, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais vraiment te montrer tout ce que je fais, tout ce que j'ai mis en place en tout cas pour que je puisse avoir un beau corps en ayant 40 ans. Sincèrement, je me suis dit, il y a des femmes qui disent qu'arrivées à 40 ans, elles se sentent plus belles, elles se sentent mieux dans leur peau. Je veux faire partie de ces femmes-là. De toutes les manières, tout est une question de... Je n'avais pas dit décision, il y a un mot que je cherche que je n'arrive pas à trouver, mais il faut être... c'est quoi ce mot-là? Je l'ai dans ma tête, mais je n'arrive pas à le trouver dans ma bouche. Bref, mais il faut être... intentionné. Bref, je n'arrive pas à trouver le mot, mais j'ai envie de dire, il faut poser des actes. Quand tu veux quelque chose, pose des actes qui vont dans le sens de ce que tu veux avoir. Donc, je me suis dit, pour mes 40 ans, à partir de 40 ans, je veux être bien dans ma peau. Je vais prendre soin de moi. De toutes les manières, 2024, c'est le défi que je me suis lancé. Être vraiment, prendre du temps pour moi. C'est important. Prendre le temps de m'occuper du corps que Dieu m'a donné. Prendre le temps de m'occuper de cette enveloppe que Dieu m'a donnée. Je m'occupe de mon intérieur, mais je dois aussi prendre le temps de m'occuper de mon corps en général, de mon extérieur aussi. Et ça fait partie de l'un de mes plus grands défis de 2024 parce que je fais toujours passer les autres avant. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, c'était juste pour te dire que si tu veux ma routine, en fait, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te détailler vraiment ma routine en long, en large, en travers, bref, tout ce que tu veux, quoi. Comment je fais vraiment ma routine. Donc, ensuite, j'applique ma lotion, je laisse poser, je m'occupe d'abord de mon corps, puis je laisse poser au moins une dizaine de minutes. Ensuite, je viens, je rince parfois à l'eau ou encore j'applique juste ma lotion à la carotte pour enlever la lotion à l'acide glycolique et au yaourt, l'acide à l'ananas et au yaourt, tu as compris. Et après, j'applique tout ce que je dois appliquer. Bref, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien à ma peau. Comme je ne sais pas si je te l'ai dit, mais ça lutte vraiment contre les imperfections. Je trouve que ça finit vraiment le grain de peau. Ça redonne de l'éclat. En tout cas, ça redonne vraiment de l'éclat. Mais je pense que c'est toute ma routine qui contribue à faire du bien à ma peau. Voilà, je voulais te partager cette recette, je voulais te partager cette trouvaille pour que toi aussi tu puisses faire de même, que tu puisses tester. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé l'ananas et comment tu l'as trouvé, est-ce que ça t'a fait du bien ou si tu as envie de tester ou si tu as envie d'autres recettes skincare, parce que là, je suis en train de tester beaucoup de choses sur ma peau et je peux te dire que
je suis satisfaite. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que je t'ai apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, c'est gratuit pour toi, mais moi ça m'apporte beaucoup. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'hésite pas à liker, ça je l'ai dit. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, n'hésite pas à partager, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye. Non, bye bye, c'est comme toi, c'est pas comme toi. Bye bye.